Voilà cet accord donné par le président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est évidemment l'un des grands événements de ce sommet de Vilnius. Nous en parlons avec le géopolitologue Alexandre Delval juste après le journal d'Hélène Zelani. Il y a eu moins d'arnaques sur les moyens de paiement l'an dernier, moins 4% selon les chiffres de la Banque de France. Alors, certes, plus de 7 millions de transactions frauduleuses ont été repérées pour un préjudice dépassant le milliard. Et pourtant, il y a un léger mieux, Hugues de Tournemire, notamment sur sur la fraude à la carte bancaire. Oui, 40% de fraude en moins ces deux dernières années. Non pas qu'il y ait moins d'escrocs, mais la parade est de plus en plus efficace. Et cette parade, c'est l'authentification. Écoutons Julien Lassalle de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Quand vous voulez faire un paiement sur Internet, votre application bancaire vous adresse une notification et ensuite vous faites une seconde authentification via une empreinte biométrique ou via la saisie d'un mot de passe personnel. C'est le niveau d'authentification le plus performant qu'on ait aujourd'hui. Mais si la fraude à la carte baisse, une autre arnaque prend de l'ampleur, c'est la fraude au faux conseiller. Concrètement, quelqu'un vous appelle en se faisant passer pour votre conseiller bancaire et il prétexte avoir identifié une opération frauduleuse sur votre compte pour vous extirper vos identifiants ou pour, ou pour vous faire réaliser plusieurs virements. Et cette comédie peut vous coûter cher, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par escroquerie. L'année dernière, plus de 350 millions d'euros ont été détournés via ces techniques de manipulation. On ne le dira donc jamais assez. Votre conseiller, et s'il s'agit bien de lui, ne vous demandera jamais vos identifiants par téléphone. Voilà, conseil à retenir Hugues de Tournemire la ville